Je m'appelle Freddy Barthes et je suis ambassadeur d'AutoScoot 24. Et qui me connaît sait que j'adore la puissance, que j'adore les belles voitures. Et c'est pour ça qu'au Salon de Genève, pour moi, c'est un régal. Spécialement si on arrive sur des stands comme chez Chevrolet. Il y a la Chevrolet et il y a la Corvette qu'on connaît très bien, une voiture puissante, 466 chevaux, 600 Nm de couple. Déjà ça, c'est un nombre qui fait exciter un peu. Après, on revoit tous les petits détails aérodynamiques pour avoir plus d'adhérence. On a aussi la sortie d'échappement du moteur, le refroidissement, la sortie sur les côtés pour sortir l'eau chaude, l'air chaude. Et naturellement, un grand point, si on regarde ici, les freins en carbone. Alors, pourquoi mettre des freins en carbone si on n'a pas de puissance? Les freins, ça indique quand même qu'il y a beaucoup de puissance. Et en plus, ils ont mis des semi-slicks pour avoir plus d'adhérence encore, pour mettre la puissance par terre. C'est un régal, une voiture comme ça. Moi, je me réjouis de pouvoir la rouler bientôt. Pas seulement pour la voiture en soi, mais aussi pour montrer les pots d'échappement au gars qui est derrière moi, parce que ça aussi, c'est un régal à regarder. 4 pots d'échappement en chrome. Et si on met les gaz, on les voit pas longtemps, mais je pense qu'on s'en rappellera bien. C'est une belle chose. Ça, par contre, c'est la petite. Là derrière, j'ai vu la grande. Avec la Z06, on a une voiture avec un compresseur, avec plus de 600 chevaux et 800 Nm de couple. C'est vraiment un monstre, carrément. Même si là, en couleur argente, et pas aussi extraverti que l'autre. Mais avec ça, sur un circuit, il n'y a pas beaucoup d'autres voitures qui vont vous doubler.